cible là. Non, on l'entend, c'était des infrastructures policières, à savoir des sous-commissariats et des commissariats. Nous rappelons sa crivé sous-commissariat Portail Léogane. Nous rappelons sa crivé sous-commissariat Bon Repos. Nous rappelons sa crivé sous-commissariat Delma 3. Nous rappelons sa crivé sous-commissariat ou bien commissariat Caso. Nous rappelons tout des institutions qui, c'est des institutions publiques ou bien étatiques qui subissent des attaques ciblées. Par exemple, l'aéroport international Toussaint Louverture, l'aéroport Guy Malari, gagner des entreprises privées qui passaient en bas ou le gang, notamment au niveau de Tabar, la Kamaïsra Nissimo, par exemple. Il y a plusieurs succursales de banques commerciales que au pillé, par exemple la BNC, la Unibank, la Sogebank. Au niveau de communes Croix des Bouquets, il y a plusieurs institutions de l'État également qui passaient en bas collé gangzayo, puisque nous apprenons gagner des tribunaux, gagner paquet, gagner de l'autre institution l'État tout qui pas épargné. Même au niveau de centre-ville là, Jaco Sodinosa, bandit prend contrôle stade Silvio Cator, championnat national de première division version spéciale te doit lancer officiellement ce week-end. Malheureusement, il a reporté pour la quatrième fois consécutive. Ministère de la Culture et de la Communication, notamment branche communication au niveau de Bois-Vernat, jusqu'à hier après-midi, nous avons constaté des mondes qui étaient dans l'enceinte et bâtiment, qui non seulement prend des bagages qui étaient en dedans, mais dehors, mais du coup, tu es occupé espace là. Et puis, gros lot dans tout ça, nous avons décrit là. C'est assaut bandit, si vous voulez, contre deux plus grands centres carcéraux du pays. On a parlé là de la prison civile de Port-au-Prince, communément appelée pénitencier national. On a parlé là de prison civile de la Croix des Bouquets. Samedi soir, il était aux environs de 8 heures, les nouvelles là t'es commencé prendre cher pour dire bandits ont passé de la parole aux actes. Ils ont attaqué, comme annoncé, ils ont une plus grosse prison, pour ne pas dire plus grosse prison pays. C'est vrai, information était sensible, médias ont quand même joué la carte de la prudence pour être capable diffuser, mais à mesure que nous avons avancé dans la nuit de samedi 2 mars pour l'ouvrir dimanche 3, il y a des éléments qui t'ont monté sous table là, qui t'ont venu confirmer. Et bien dans la matinée, premier chiffre fait état d'une prison avec une capacité d'environ 4000 personnes. Et bien dans 4000 prisonniers, ou bien dans plus de 3500 prisonniers qui étaient en dedans. Prison civile Port-au-Prince, c'est à peine si on joint une centaine environ, 99 comme chiffre précis. C'est-à-dire, toute l'autre quantité de capacité, on a 3800 ou bien environ 4000 ça, ils mettent 20 en voie. Et dans le monde qui arrive à sauver, il y a des chefs de gang redoutable, c'est-à-dire gros bandits devant paix l'éternel. C'est des mondes sous une forme ou sous une autre dans ce qui concerne les criminels ici qui étaient fait non yo, yo arrivé libéré. Et un peu plus tard dans la soirée du samedi 2 mars guerrier de seul soir aux environs de minuit 1 heure du matin, l'autre information d'avoir commencé à venir nous pour dire que nèg
exam au niveau de quoi des bouquets yo prend d'assaut souvelé la prison de quoi des bouquets et sans trop grande résistance yo rivé libérer moun pour yo libérer et jusqu'à minute nous a parlé là m'pa kwè aucun monde qui disposait de chiffres officiels concernant la prison civile de quoi des bouquets c'est vrai officieusement il y a des paroles qui a parlé par en bas mais personne pas en mesure dit combien prisonniers qui étaient quoi des bouquets qui parlent encore personne pas en mesure dit est-ce que quoi des bouquets dans moment n'a parlé là la police ou bien APNA reprendre contrôle infrastructure personne pas en mesure dit combien que t'es là combien que t'es sinon nous connaît prison civile quoi des bouquets li bon capacité d'accueil d'environ 1500 prisonniers selon information qui est disponible soit 1450 pour être plus précis. Depuis jeudi pour arriver jusqu'à hier dimanche là côté était un calme apparent mais un calme apparent mais situation était rété et demeuré fragile puisqu'à n'importe quel moment en pile monde espérer des bagages qui qu'arrivé. Il y a des questionnements, il y a des préoccupations dans la même population. Même mon oué qui a couru, même mon oué qui courir quitter la caillou ou bien qui juste camper dans la rue a pas connait si pour monter si pour descendre ou bien qui juste a essayer vie en haut vie en bas moins petit brio tendé ou bien moins petit déblosaille yo tendé pour courir la guicha. Il y a des bagages qui pichent l'esprit. Au même titre que nous autres journalistes qui sont des observateurs avisés, au même titre que de l'autre acteur dans la société civile là, pour dire qui ça bagaille là, yé même. Par exemple, Neg Axamio, et ceci nous songeait depuis vendredi matin, nous t'ai lancé question ça dans l'air, qui campait sous Brenzengio la guerrier du seul, n'a pas demandé qui sa intention yé, de manière plus concrète, qui sa motivation gang yo yé, qui sa plan yé même, jusqu'à côté yo vle rive, qui côté yo ka arrive. Gan pile compréhension, en pile thèse sous table. Gè question ka pose et qui pas suspend pose. Est-ce que ça n'a assisté jodi à la, ou bien ça nous assisté pendant 4 derniers jours sa yo? C'est parce que bandi yo nèg exam yo gang yo tellement puissant yo gen capacité sou vle pour déstabiliser pays a lè ou vle lè hôpitaux rien pour atteindre propre objectif yo. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous en a fait à des groupes armés ou bien des chefs de gang qui rageux qui besoin l'argent et qui utilisait la terreur, vous comprenez, qui utilisait mode opératoire ça pour faire démonstration yo pour caraler yon camp ou bien yon l'autre vinn négocier avec yo. C'est vrai que avec question kidnapping, c'est vrai avec question rançonner entreprise, détourner camion marchandises depuis un certain temps gang yo gon certaine autonomie financière mais ça pas empêché qu'il aurait été des mercenaires guerriers. Donc si yo des mercenaires qui pas aucune idéologie à défendre avec zam ki nan men yo, donc yo capable tout à la solde des plus offrants. Est-ce que c'est bon bah comme ça? Yo mette yo j'en ai dit la semaine dernière en position de force. Yo provoquer négociation et puis yo rale on kan on bien l'autre vin sou yo. Est-ce que c'est pas le cas? Bandi Haïti yo n'a d'accord ak nomadien, c'est pas des politiciens. Cependant depuis genèse question gang armé en dan pays a nous rend nous compte yo vin des outils politique. Donc est-ce que je dis à là nous ca très facilement dit c'est des gangs qui agit de par eux-mêmes c'est pas gagné aucun bras politique derrière eux ou bien c'est pas gagné des bras politiques derrière eux. Toujours est-il
ces questions qu'a posé. Mais sauf que si on regarde dans événement qui succède ou bien qui produit pendant 4 derniers jours ça, on a senti un certain enchaînement qui a peut-être bonne possibilité pour nous poser beaucoup plus de questions. Par exemple, pour qui ça c'est pendant Ariel Henry fin prend engagement devant la communauté caribéenne que l'a organisé élection en 2025 et l'a bail pouvoir en 2026, tout ça a commencé. Pour qui ça c'est pendant Ariel Henry dans capitale pays qui est à Nairobi ensemble avec de l'autre ministre, il a signé un accord de réciprocité qui autorise le déploiement de 1000 policiers kenyans, bagay sa yo a privé. Pour qui ça, c'est dans moment gagnent des marchés pressés qu'a fait autour de cette question de force multinationale que ça yo a privé. Est-ce que son hasard, est-ce que c'est coïncidence? Nous-mêmes dans espace ça nous île plus une fois, nous pas quoi dans coïncidence. Nous toujours croit que tout ça rive yo bon côté y a mené nous. Peut-être qu'il doit bodeur nous beaucoup elle ou bien nous même gab garder qu'il doit pas gagner assez de clairvoyance. Nous manque clairvoyance pour nous elle ou bien tout situation Haïti a tellement complexe. Des fois ou qu'on pense ou comprend un bagaille mais toujours bien un élément qui paraît sous table à la dernière minute qui vous dire ah au bout que j'aime comprendre rien. On prend par exemple ça qui arrivé prison yo. Nous même là n'a parlé, nous presque pas envie dit ces bandits qui attaquent prison yo, ou bien qui attaquent prison yo qui prend contrôle yo. Nous presque pas envie dit ces bandits yo qui réussit craser prison et provoquer libération d'une série de prisonniers, pas des moindres, des chefs de gang redoutables. Nous préférons dire de préférence. Nous préférons dire, Adiani, c'est livrer. Mon responsable livrer prison. Particulièrement pénitentiaire national. Peut-être puis devons pral demander à quelle fin. Mbral expliquer pour qui ça nous dit. C'est livrer ou livrer prison. Depuis jeudi, nous-mêmes comme citoyens lambda, attendez bien, oui, depuis jeudi, nous étions au courant que deux plus gros cibles n'ont pas dans Port-au-Prince, particulièrement, c'est la prison civile de Port-au-Prince et le palais national. Nous-mêmes, comme citoyens lambda, nous étions disposés de l'information ça, et nous-mêmes, dédié le vendredi matin. Et n'ont pas tout annoncé. Yo annoncé ni nan jeudi les revendiqué ça qu'a fait yo annoncé nan vendredi et pendant toute journée samedi a parole a parlé ouais gain de extrait vidéo drone bandio qui prend la rue nous même nous quoi c'est pas un hasard son bagage qui fait à dessin côté a montré yo gain contrôle pénitentiaire. Mais à qui niveau? Mais côté charoyé, mais côté gain policier, mais côté pour mon a passé. Comme si pour tout ça yo a fait deux plus grandes infrastructures ça yo que nous considérons comme des cibles pour bandits ou attaquer, pour pas gain des dispositions qui prend au plus haut niveau pour renforcer sécurité infrastructure ça yo tant à l'interne qu'à l'externe. Ou là, Diani, on prend pénitentiaire national, puis gros prison pays. Gon paquet de prisonniers important là. Important pour l'État, important pour la justice, important pour pays. Gédenèg qui fait gros crime là. Gédenèg tout qui implique non série de dossiers qui en cours là. Gen grosse menace ça sous prison hein, pour c'est pas tout. Unité qui déploie en bas pour aller renforcer sécurité prison en bas. Pour ces deux graines chassellement qui t'a campé devant là. Tout aux alentours de prison.
te doit gagne gros char blindé oui te doit gagne toute qualité policier toute qualité moun oui qui impliqué dans question sécurité pays a en dans prison même pas parler comme si pour très facilement bandi ou annoncé ou pral attaque en prison yo mette prison en nan mitan yo cernel yo rivé attaquer boy ou de attaquer a yo provoquer libération prisonnier yo yo prend moun yo te besoin yo aller ça que veut sortir yo sorti et puis après ça tout bagay fret non ti jan perdu donc non ti jan perdu facilement comme ça est-ce que nous voulons dire c'est tellement bandi yo pi bien équipé passer la police qui fait yo arriver prend prison en d'assaut et puis provoquer libération prisonnier yo est-ce que nous voulons dire matin que bandi yo pi bien organisé passer la police nous voulons dire matin sur le plan technique sur le plan tactique bandi yo pi bien formé passer la police nous voulons dire matin que bandi yo pi ka bataille que des policiers qui fermaient non salle de formation pendant des mois et qui n'ont eu recevoir des formations spécialisées. Si c'est ça, nous voulons faire comprendre qui facilite de prendre prisonniers, mettre au dehors comme ça, qui facilite de attaquer prison jusqu'à ce que vous libérez comme ça, nous mettre fermé ça n'y a comme salle de formation au niveau du frère. Là. Les États-Unis, le Canada, qui implique depuis le police là formé en formation ou bien en accompagné etc. Yo met suspend démagogie ou si c'est ça nous voulons faire comprendre c'est parce que bandi tellement efficace comme ça qui fait yo juste annoncer un bagay pendant plus de 24 heures et puis yo fait le vrai non là nous perdu et non seulement ça passait pour la prison civile de Port-au-Prince guerrier. Un peu plus tard dans la nuit là, c'est pral Bimbara là qui reproduit quoi des bouquets. Ça veut dire yo pas fait en même temps pour dire que responsable ta vinn la matin pour dire à la police là pas de moyen pour présent de côté à la fois trois côtés à la fois, yo pas fait en même temps non. Ça veut dire ça qui passé pénitentiaire passe en vent ça qui passé quoi des bouquets. Oui. Parce que première information quoi des bouquets commence venir à partir de 1h 2h du matin. Oui. Oh ça t'a passé prison civile Port-au-Prince depuis pratiquement 7h 8h du soir brigade qui t'a couru bien des policiers qui étaient dans apena dans question sécuriser prison qui étaient déjà pas là de l'autre monde des proches pour dire ah yo rive dans situation côté yo pas capable résister que yo abandonné yo désengagé oui. Que nous expliquer nous ça est-ce que ces bandits qui tellement bien organisé yo qui vient faire que yo vinn plus efficace que la police est-ce que ces bandits tellement bien équipés qui vient faire que n'importe petit bataille yo gagne face à la police c'est eux même qui sont gagnants est-ce que c'est parce que bandits yo tellement qu'on bataille comme ça yo tellement bonne formation nous doutons très fort nous doutons très fort donc l'on gagne on attaque comme ça qui était imminente et le rive fait et que nèg qui fait yo rive atteindre l'objectif yo pour nous autres nous pas qu'à abdédouaner moun qui te gagne responsabilité pour empêcher ça arriver de responsabilité c'est trop facile et ça fait nous même nous préférer dire c'est livrer dans livrer prison si on pas livrer prison ou bien si on pas voulez que moun comprenne que c'est livrer livrer prison depuis là te gagne des paroles qu'a répété qu'a dit que paroles yo te vrai que pas vrai que nèg yo envisager attaquer prison t'es doué gagner quoi disposition qui te prend pour sécuriser l'espace là même j'en ai décaillé pour le palais national même j'en ai décaillé pour l'aéroport international tout son ouverture ou bien l'autre grande infrastructure l'état en d'ambiance malheureusement bandi a annoncé ça il arrive faire avec facilité maintenant il y a des gens qui demandent est-ce que ce n'est pas
yon jeu sans ballon pour voir fait ou bien responsable ou fait pour moun ki konn football yo nou pa parler de jeu sans ballon de camarade nou de ancien condisciple nou Grégory Bleu Ciel c'est comme on boule k'ap rale nan direction on coéquipe yo mais ou même qui était sur la balle tout ou des possibilités jouer ballon hein? Ou des possibilités faire déviation ou des possibilités orienter jouette là mon quitter là joindre coéquipe yo là guerrier parce que estimer la plus bonne position passo parce que estimer que le capable plus bon résultat passo il capable permettre équipe là pour une plus bonne option passo et pour quitter le passé ou pas jouer gien moun tout qui m'a dit est-ce que comportement responsable par rapport avec attaque imminente ça qui t'a fait sous prison hein? Est-ce qu'on pas qu'à assimiler la avec un jeu sans ballon ça veut dire yo connaît que ça a fait yo rend tâche là beaucoup plus facile pour les bandits pour les nègres ça nous les nègres examen yo et puis yo dit attendre puis devant parce qu'on est résultat ka bon pour yo il capable ça de yen doit c'est pas yo qui rentre dans combine directement avec nèg examen pour dire yo al craser prison hein? Mais yo gen doit te gen possibilité pour te empêcher ça mais yo fait passivité à guerrier et puis ça passe et puis on dit puis devant il va le bénéficier de lui parce que tout le monde va l'assimiler ça qui avec un bail qui grave et nous va l'expliquer comment il est capable de bénéficier de lui guerrier tout seul il est en pleine négociation pour force venir il y a bouché double qu'a metté il y a impression qu'a fait il y a tractation qu'a fait tout mais qu'on y a là Ariel besoin élément de langage qui est beaucoup plus convaincant pour les capables d'utiliser les la parler avec principal interlocuteur li nan niveau international là pour monter aux nécessités pour force venir au plus vite. Yon moun ki wèl konsa pa ka bal tan, surtout là qu'on est ici de quoi nèg ki sou pouvoir même yo capable. Yo capable d'accord que n'aller vers là. Automatiquement n'aller vers là, c'est le chaos total et depuis un chaos, mo garanti urgence la multiplier par X. Deuxième bagaille. Il y a une question amnestique t'a parlé. Gang yo, en pile nan yo, ta remè si gen 4 qui pourrait battre, faut capable gen liberté pour yo marcher libre. Ni yo même, ni comparé yo, ni allié yo, ni ancien chef yo, ni ancien mam yo. Gen moun ki gade autour. Comme gen nan yo ki nan prison. Pour voir qu'il doit avoir une garantie qu'il est capable de larguer, c'est trop spectaculaire. Mieux vaut que vous sortiez dans l'évasion. Et puis après ça, il y a regardé comment on peut gérer ça. On est capable d'estimer le simple comme réflexion. Mais encore une fois, on a fait avec dirigeants haïtiens, c'est des gens qui sont cyniques dans le dernier niveau. On a qui a analysé qui est comme ça. On n'a pas couru dire l'ignite, non? Parce qu'il n'y a pas oublié. Attaque ça qui provoque libération prisonniers à eux. Facilité qu'on paquette gros nom qui prend la rue. Et pas moi qui prend le cité ou là, nous on est. Et Léa, elle est la base avec eux. C'est gros fête qui fait. Bon groupe armé là, base de tout près nous là, dans Chavannes là. Jou soit ça, c'est gros feu d'artifice. Donc c'est-à-dire gros contentement. C'est comme une mission qui vient d'être accomplie. Et ça fait, l'on a analysé ou pas qu'à ignorer un série de paramètres tant que ça y est. Maintenant, ça arrive, tout le monde a été fixé sur le gouvernement. Pour connaître comment le gouvernement a réagi. Comment le gouvernement lui-même a compté adresser sa rivière. Qui réponse le gouvernement a par rapport à sa rivière. Nous lisons notre la police nationale d'Haïti, particulièrement le commandant en chef à IPNH, M. Franz LB. Nous lisons note qui est publiée sur le site officiel du ministère de la Culture et de la Communication, qui se positionne au gouvernement par rapport à sacrifier prison. Nous lisons dernier communiqué en date là, qui pour des signatures, Patrick Boisvert, qui c'est premier ministre ad intérim en absence du docteur Ariel Henry. Nous-mêmes, nous faisons plusieurs constats. Premier constat, nous faisons guerrier de seul. Gouvernement parler pour ne pas dire rien. Ou pas senti une autorité vraie dans sa dio, dans sa
souligner yo nan sa évoqué yo. Sou gade notre gouvernement sorti sous baie prison, c'est comme un citoyen lambda qui a parlé. C'est tant coup guerrier Dieu seul Johnny Ferdinand. Non, 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 pas même nous-mêmes, parce que nous sommes journalistes, nous cherchons information. Ça dit ça, c'est des citoyens qui n'ont pas gagné. Nous considérons ça. Pas qu'on a rien du tout. Nous attendons, on pourrait parler, l'on va comme ça fin produit. Non seulement il faut le faire, la population comprend ça, mais il faut état des lieux. Nous avons l'impression, nous avons l'impression que le gouvernement n'est pas même au courant de combien de prisonniers qui étaient là, de combien de prisonniers qui n'étaient pas là. Bah, vague. Qui ça prend comme disposition et comment ils ont décidé de gérer ça? Jusqu'à hier matin, c'est quelques 90 et plus prisonniers qui étaient dans l'espace pénitentiaire. Ils n'ont pas sorti hier, ils n'ont pas fait. Yeah. Jusqu'à ce que mon vidéo, je ne pas songer qui média en ligne ça, son citoyen ou ingénieur qui vient, qui l'a, je ne sais pas si monsieur Gale compte mon. Parce que l'a posé monsieur question, monsieur dit non, c'est chef là pour nous donner venir, etc. Parce que lui-même, son compte mal vient bail. Même si on dit non, dans pile non, mon qui était autour, c'est mon qui malade, c'est mon qui souffre de tuberculose. À part de monsieur qui était dans cellule, Charles Chancillon, tant que Marquis Kessa, Félix Badjo, Dimitri. Non, Dimitri allez lui-même. Dimitri allez. Oh, ben. Dimitri allez. Et. Pourquoi ça va plus? Tant que Marquis Kessa tout à l'heure, Charles Chancillon, Marquis Kessa, Félix Badjo, ancien ministre de communication, il était pétoué, Limon Toussaint. Limon Toussaint. Robinson Pierre-Louis. Robinson Pierre-Louis, dans quatre dossiers, Zam Port de Péa. Monsieur Sao qui décide lui-même pas aller. Qui sont décisions personnelles. Oui. Il y a qui n'a pas de. Hein? Faut dire sauver qu'il y a qui n'a pas de. Son gros prisonnier. Oui, oui, ça carré. Ça tape Dieu. Il met tout dans la prison pour kidnapping et puis il kidnappe. Ça tape Dieu. Oui, nous tape dire que, à part de monsieur Sayo, nous avons cité là qui a décidé de rester volontairement. Nous apprenons que la majorité prisonnier autour de tout ça, nous avons dit là, hormis Colombien, yo. C'est des prisonniers qui sont malades de rue. Qui soit fait tuberculose ou fait de l'autre maladie qui empêchait que tu courir même. Et nous disons que, jusqu'à hier matin, pas de prison était grand ouvert. Donc c'est la preuve que, même hier matin, n'a pas l'air, l'État ou le gouvernement n'a pas de contrôle rien. Ou bien si on a le contrôle, pas de contrôle rien. Et note ça qui est sorti sous attaque qui fait sous prison, vous pouvez ça clair. Ou pas senti aucune autorité dans notre là, ou pas senti rien qui dit de rassurant dans notre là, ou pas senti ce chef qui a parlé. Comme yo t'a critiqué yo dit yo quelques heures ou bien 24 heures après tel bagage, yo pas jamais parlé. Yo font bagage pour la galerie. Oui. Nous gain impression c'est un garçon la cour avec yo, yo dit tendez non, nous occuper nos bagage là et gérer ça pour nous et qu'on bagage. Ça pas dit non de on note officiel. Du gouvernement par rapport avec un ensemble de bails qui arrivent comme ça, qui est archi grave dans le pays. Bon, notre plan est sorti. Cette dimension de l'État, c'est l'État qui est effondré par le pays. Donc, il n'est pas capable plus que ça, non, John? Il n'est pas capable plus que ça. Nous avons annoncé couvre-feu. Nous avons annoncé état d'urgence sécuritaire, pas vrai? Nous songez, et guerrier Dieu seul capable de témoigner ça. Depuis là, nous venons dans l'espace là, pour y avoir, nous dit, si le gouvernement savait les batailles contre question insécurité à tout bon vrai, si le pouvoir Ariel Henry avait les batailles contre question insécurité à tout bon vrai, c'était premier arrivé au pouvoir déclarer état d'urgence sécuritaire au pays. Qui t'a permettre que, nous ensemble de bailleurs fait, en dehors de principe normal. Ou là? Qu'on y a un dit au fait tout ça au pas fait jusqu'à ce que ça arrive. Mais guerrier, si pouvoir te montrer que effectivement t'es préoccupé par ça arrivé là, c'est pas hier dimanche non, yo t'a prend décision pour pas couvrir faire ou bien pour déclarer ça nous l'état d'urgence. Depuis jeudi, nèg yo t'es fin prend la parole, yo ba conférence de presse, yo revendique ça arrivé là. Policier au fin mourir dans condition qu'on est en bon repos. L'état doit prendre décision
qui plus drastique yo. Peut-être que tu dois pas connait non empêcher ça arriver samedi arriver ou bien tu dois rendre tâche là beaucoup plus difficile pour nèg examen. Yo tan prison fin crasé, yo tan bandi fin prend la rue, yo tan nèg examen fin gen toute longueur d'avance ça par rapport à ça ou gen comme mission que nous autres nous pas connait ou bien nous ignorer. Et puis après ça, il a venu annoncer couvre-feu brusquement. Il y a raison va y réfléchir, il prend la 8h, il dit à 8h la effective. C'est à 8h45, 45 et il a publié, il y aura des publics soulevés. C'est comme si autant de cabrit fin passé et après les fermer barrière. Est-ce que là a déjà aussi Max Saint Fleur. Donc l'arrivée nos situations côté plus aptan bagaille la fin passé pour réagir alors que tu as possibilité pour anticiper ou faire preuve d'incompétent ou faire preuve d'incapable on font logique ça crive à partir de jeudi 29 là ou pensez que c'est mercredi soir qui c'est 28 février nèg examen réfléchir. Question vivant sam nèg yo réactivé ou pensez que c'est mercredi dans la nuit yo réfléchi ça en ou pensez c'est mercredi que barbecue entendu avec Kempes entendu à chalet ou comprend nèg cité soleil yo entendu yo mon travail qui fait pour ça chez méchant entendu à Jeff Canaran ou pensez c'est non badge ça fait. Donc gon processus je suis ta parler. Il y a un deal, il y a une négociation, il y a tout un ensemble de bagages qui fait, nous supposons, hein, avant même nous aboutir à ce que fait dimanche, pas dimanche, jeudi 29 là. Comme si pour tout ça, on a fait, on est qui doit faire sécurité intérieure, pour service renseignement ou pas qu'à guetter, permettre que au moins, mon bagage qui fuit et qui vient jouer nous, et pour anticiper, pour dire que bien compté, mal calculé. Là, on a parlé de côté, il y a fait payer. Il n'y a pas le, de côté que c'est pays qui priorité moun vre. En nèg yo gen possibilité, yo chita, yo réactive vivant sam yo, yo défini stratégie yo, yo gen ta approvisionné yo avec balle, avec zam, pour yo faire tout ça faire yo, comme si parole là pas même font si parler même, pour aller joindre responsable yo, pour yo gen temps anticiper sou yo. C'est comme si Nabdim ou bien nous voulons dire matin que le service de renseignement bandio est beaucoup plus efficace que celui de la police nationale d'Haïti, que celui du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, etc. C'est ça que nous voulons dire matin là. Bon, planifier le président là car il est donné. On va parler des services renseignement. Qui ne fait même pas. Il n'est pas prêt à gagner. Le planifier le tout président là car il y met là. On cartouche pas tiré. On chien pas mourir. Hein? On chien pas mourir. Gen deux policiers qui parlent à nos guerriers qui dit nous, yo gon note de renseignement. Yo te soumettre à DRG on va comme ça. Qui te concerné attaque qui tape qu'a fait ou bien qui était possible pour faire sous airport là. Policiers ont dit jusqu'à présent notre ça a pas bien suivi de fait sur eux non. Pas intéressé. Deux policiers qui parlent avec nous qui dit nous que yo soumet des éléments qui t'a capable servir dans cadre renseignement sous sort passer airport là. Pour dire mais ça qui gagne comme menace sur aéroport international tout cette ouverture là. Pas aucune disposition qui prend. Si bien qu'on a des sacs passés, plus d'une vingtaine d'impacts de balles, un policier blessé avec plusieurs balles, trois avions touchés par balles, sans compter l'autre infrastructure dans l'époque là. Panique totale, moun couchant bas table, etc. Comme si pour chef qui n'a pas là après ça, pour pas hausser le ton, et ça fait moi-même, nous pas pardonner notre au commandement général de la police là. Directeur général de la police là, notre au commandement. Comment pour nous gagner policiers qui mourir et vous c'est avec douceur qu'on s'en a parlé. Bon même là on va pas faire rien.
monter droit au Céléton. S'il le faut, même après les 24 heures qui suivent, by Jeff Canaran on réponse appropriée. Yo bal dou route barré. Yo bal dou la police pas ka progresser, te gen difficulté. Mais te quoi les gen mouvement contre pouvoir. Les gen des barricades qui dressées. La police toujours fait accompagner de engin lourd. Guerrier pour débarrer route yo. Mm. Et yo même ka ba moun possibilité. Pensez n'importe bagaille sou yo. Et l'orgade comportement yo, tout ça yo dit de yo semble vrai. Tout ça yo dit de yo semble vrai. Avec notre gouvernement yo, avec notre la police là, il y a deux bagailles nous devons retenir. Soit nèg yo confortable avec sa crivé ya, yo nan bol gres yo. Soit nèg yo d'accord yo dépassé par les événements yo incapable. Il était démissionné. Voilà. Qu'on y a si yo d'accord que ça crivé a dépassé yo comme responsable. Ah. Si yo d'accord que yo perdu contrôle situation, hein, yo pa gen l'autre choix que démission en bloc du gouvernement ou bien si yo voulait faire un service collègue identifier fusible yo. Pa gen tout ça yo passé dans pays a pendant 4 jours de suite. Et puis pour nous lever lundi matin là, tout nègre était dans poste, toute femme était dans poste comme si pas jamais gagné. Ça qu'à l'étranger, à l'étranger. Qui passait dans le pays là, Ariel Steel, yeah. Premier ministre, directeur général de la police là, Steel était dans poste là. Ministre sécurité ou bien ministre justice, sécurité publique, toujours était dans poste là. Ariel Steel, à travers chef cabinet dans ministère intérieur, tout le monde était dans la posture comme si pas jamais gagné écrivé. Le pays a fonctionné bien. Il tape trop facile. Tendez bien, oui? Nous disons deux bagages nous devons retenir. C'est soit nous sommes confortables à sa crivé et puis nous sommes d'accord. Rester dans la posture, annoncer des mesures cosmétiques et puis après ça a délanté. Ou bien si nous sommes d'accord que sa crivé a perdu le contrôle, nous sommes dépassés par les événements, les plus grands passés, etc. C'est choix, ouais, a Adjanizo dévoqué là. La démission pure et simple. Faut que vous ayez un chapeau, faut que vous ayez des fusibles. Prison crasée, va... bandit prend prisonnier. On parle d'un pays côté de monde qui a dirigé, côté de monde qui était conscient de responsabilité, Johnny. Et ça, vous avez fait là. Il a joué. Mon président Mou, qui est-ce démissionné, le président de Mouya? Madame, et pas joué, joué, ça fait. Non, madame. Ça fait. Vous n'avez pas d'accord? Parce que côté gain pays, côté n'a fait pays, côté et pays n'a fait là. Comme si est-ce que le pays n'a fait nous-mêmes? Fait au démissionner forcément. À qui sont pas faire démissionner? Ah, comment va qui ça? À qui ça? Comment qui ça? Pour un peuple zombie qui a dormi, on parler de faire démissionner. Hein? Nous-mêmes guerriers nous clair sur ça. Si après ça crivé à là, n'est yo contenté de mettre tes notes dehors qui mal écrit, mal charpenté, qui pas même reflété image dont l'état qui fort et puis tout le monde était dans pension, nous même n'a déduit que sorti dans Ariel Henry revenant monde qui occupait plus petit poste dans gouvernement ça, si c'est pas sans honte yo sans honte guerrier, c'est parce que yo même avec gang yo fait un sel et puis autant yo pour diriger pays ensemble papa petite guerrier. N'a pour reprendre Sandia pour la République. Si après ça crivé yo là, si après tout ça n'tendek fait yo là, pendant ces derniers jours, tout nèg qui nan pouvoir yo, toute femme qui nan pouvoir yo, sorti nan docteur Ariel Henry, pour yve nan moun ki occupé petit poste nan pouvoir ça, si yo pas démissionné, yo contenté yo de faire macaque wè a fè yo là. Nan soti ti note fait intéressant fait grimace nous dit ou ça déjà c'est soit yo c'est sans honte yo d'accord c'est sans honte yo eh? Donc quel que soit ça n'ta dit il pas faire ni chaud ni fret ou bien yo même avec gang yo c'est cocotte ak marasa passer premier site na croiser l'autre bord nous eh gien proche pouvoir kap bay l'autre monde l'autre entité l'autre groupe pote chapeau.
sans yon pas rendre compte son aveu yon fait. Parce que si où est le docteur Ariel Henry, ou que tout pouvoir ça, ou ka mouri l'ovle, ou ka enlevé l'ovle, ou ka enterrer dans cimetière, ou ka déclarer la guerre, ou ka nommer moun ouvle, ou ka révoquer moun ouvle, ou ka voyager dans pays ouvle, ou ka chita blanc ouvle. Et puis pour gen des groupes, pour gen des moun qui capable déstabiliser un pays dans mon pendant plus de 4 à 5 jours. Pendant ces ou gen moyen yo, ou gen la police, ou gen l'armée. Donc ou tout prouver que vous sont incapables ou sont incompétents. Comme Johnny Ferdinand, ta premier ministre qui a tout pouvoir ça yo et bon nèg décidé fait 4 jours ou béton région métropolitaine à feuillage sans même pour aller dans mon pièce ou soit incompétent m'a gagne place moi là ou bien c'est petit moi qui a frappé. Comme c'est petit moi qui a frappé, maman chez pas jamais mot de petit li dans zo. Donc bon j'aime gars c'est main tête li fait moun comprendre que et c'est pas grave, vous comprenez si moun c'est l'âge li c'est des ordres, on va venir petit moi. C'est ça lié oui. Donc plein moi qui des alliés pouvoir qui camper derrière un téléphone, qui camper un côté cabine zéro, c'est moun qui besoin pouvoir, qui mettait tête yo à gang, cap déstabiliser pays a, cap ceci, cap cela. Nous tout montrer nous impuissants, hein, nous incapables deux, nous incompétents trois. Donc si tous les trois conditions sont réunies, nous n'avons pas de place encore là. Moi, pasteur, parle avec oui. Et pasteur Maloui, où est-ce que ça m'a dit à Johnny, puisque tu as parlé de quantité, alors monde qui était important pour la justice haïtienne, pour la population haïtienne, non, qui dans la rue pour aller là. Et puis immédiatement, je pensais, parce que plusieurs fois que je suis allé dans l'audition, côté que il a auditionné Dimitri Rau, et puis m'a suivi blindé qui vient déposer Dimitri Rau, donc policier qui est avec Dimitri, face au Québec Dimitri pour entrer dans l'audition, full sécurité, il va facilement qu'on s'en sorte. Ça vraiment triste. Dans sa crivée à guérir, en guise de conclusion, à Diane Oximab Saint-Fleur, nous te dit déjà, n'a répété, le plus gros perdant, les pays à comme ça, c'est peuple-là, c'est population. Mais plus gros bénéficiaire là, plus gros gagnant, depuis que ça aurait été en place toujours, yo style qu'un pays a en otage, rien que pour accaparer ti sacrité comme pouvoir, c'est qui par Ariel Henry qui plus gros gagnant. Mande Mbougiza, on fait un raisonnement qui simple. Première sortie, chef de file G9 là, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, yo dit yo même, yo prend les armes, yo prend le déstabiliser pouvoir, etc. Faut qu'Ariel Henry baye pays, y'a, rete kote liye, y'a de chouki Ariel, pas vrai? On dit, gen moun ki nan opposition qui te vle Ariel Henry ale. Gen moun nan opposition qui ta remè Ariel Henry qui te pays. Gen moun nan opposition qui ne jure que par le départ sans condition du docteur Ariel Henry. Ou pensez yon pral courir pour te faire yon vini by Jimmy Cherizier vous avez dit yon adhéré avec mouvement gang yon. Yon vini peur. Même si ta gon manifestation qui t'a planifié là contre gouvernement Ariel Henry, organisateur obligé de réfléchir 10 000 fois. Vous savez pourquoi? Pour yon pas associer yon à gang. Parce que gang yon gendan di yon même mouvement yon c'est contre pouvoir. On est qui respecte tête li qui nan contre Ariel Henry. Ou tap kouri al rentre nan baza la. Pour al di kon sa que ou même ou supporte. Yon wèl tout associé à gang. Très facilement yon wèl di ah, c'est pas bagay pays kap regle, c'est pas bagay manifestation peuple, c'est gang kap frappé. C'est ça yon wèl di. Donc on a nan oblige vin pouida. Nèk nan opposition on a oblige fè silence. Bon, même si yo ta d'accord avec ça qu'a fait yo qui ta capable rendre non sens pouvoir inconfortable mais obligé rester dans silence parce que c'est gang qui a frappé. Il y a des groupes organisés qui te prévoient prend la rue à un jour sur passé là avec jeudi avec ça qui passé jeudi 29 là yo obligé faire barrer dire j'en bats la pète la gang. Non mais gosse toi avec tes dis politiquement pouvoir tirer profit. Qu'on y a pas dit non. Infrastructure qui a crasé et banque qui a attaqué et ministère culture communication bureau communication dans bois vernal a attaqué ou pas dit tout ça. Mais et si pouvoir les mêmes c'est salve les mêmes pour le cas justifier MMSSS là c'est mission multinationale de soutien à la sécurité. Donc ça qu'a fait la femme.
Et sous bien gardé pendant toute dernière semaine ça yo, dernier mois ça yo. Pour voir les mêmes de force seulement y a parlé. Donc il y a parlé de force. Ils ont négligé la police nationale d'Haïti. Donc tout ça qu'a fait force la vie pour eux même au niveau du pouvoir là bien accueilli. Ils s'en foutent pas mal que ça a coûté BIA cher. Mais depuis qu'a justifié venir force là, il a pas encouragé même si c'est indirectement. La police pas dans plan nèg yo. La police vinn gen importance dans gen nèg yo. C'est dans moment 7 février 6 février. D'ailleurs, m'a dit ça à 11 amis récemment. Premier gros pression psychologique ou bien moun ki premier attaquer la police là ou premier craser la police là c'est monsieur Damien dans vous voir. Là a plein de parler, a parlé de force. Il oublié si nous on force de police là. Tellement capitalisé sur force internationale là. Et bien, je vous dis à la, il a affaibli davantage l'institution policière pour justifier la venue de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Puis international là même, peut-être s'il préoccupe avec nous, il est capable de mettre la bouchée double et puis mettre accélération. Mais attention, c'est si c'est pas là où tu veux arriver. Au changement de bon moment depuis blanc ouais, il y a une manifestation surtout les États-Unis. Il y a un mouvement contre pouvoir, il y a un levé campé, yo dit ah, Haïti sont menace pour zone là, yo obligé prendre des dispositions pour arranger ça, pas vrai? Et ben mais je dis à nous, il vient pas mal que ça parce que gagne gang cap. Fait ça faire là non? Yo tout croiser bras. Ah, on va finir John, nous comme ça time, qu'est-ce que time impose face avec toute analyse que vous déjà fait. Est-ce que toujours chef dans pays? On a résolu problème dans pour vous. Est-ce que toujours gagne directeur la police? Et n'a conclu comme ça matin. Nous te dit si ça crivé là, il pas coûter démission personne. Si ça crivé là, tout le monde était dans poste, gagne deux messages ouvrir par la République. Nous mettre noter ça nous dit. Premier message ouvrir par la République. Yo c'est sans honte. Yo pas gagne nain. Yo c'est chien. Deuxième message ouvrir par la République, yo même avec gang yo c'est même. Donc c'est ou même comme peuple, c'est ou même comme citoyen, comme population, raconte comment pour recevoir message ça. Avec ces 4 jours de terreur, madame, monsieur, situation terrifiante. 4 jours noirs. Je dis, il n'y a pas de secret dans ça. Si nous devons dire tout bas, il faut accepter que ce sont les gangs armés qui sont aux commandes. Parce que quand ils vont bombarder ou bloquer, il y a les idées audio, les ouvrir. Et le fait que le pouvoir et qui parle en rire confortable, malgré que dans la réalité, vous ne pouvez pas dire rien, mais vous acceptez de rester quand même, parce que vous attachez à pouvoir, je dis à l'éclair, le premier des chefs de gang. Ferdinand, merci pour belle analyse, ça, Guerrier. Ok, bon. Founia et Nabral, regardez qui sa réaction est, puisque nous connaissons nouvelle déjà et que le gouvernement a décrété ça l'état d'urgence dans tout département l'Ouest là, pour 3 jours renouvelables. Et décision ça, les vini pour capable rétablir l'ordre et la sécurité dans le département l'Ouest là, après bandi, exam, attaqué et puis facilité. Évasion prisonnier dans pénitencier national dans la prison civile Kwa de Boukéa. Il y a plusieurs sous au commissariat qui est tombé. Nous parlons de Delma 3 déjà, nous parlons de Kazo dans la commune Tabar et Bandiote attaqué base Bimna qui était répliqué, même Jacques commissariat Tabar qui lui-même était répliqué et repoussé Bandio. Nous parlons tout de commissariat Cabaret qui hier lui-même tombé côté bandio mettait du feu dans espace là dans pénitencier national en pile majorité prisonniers yo sauvés
hein, c'est environ centaine qui était selon information yo, et jusqu'à moment n'a parlé là autorité yo pas fourni aucun chiffre sur soit combien policiers qui est à mourir, combien prisonniers qui dehors qui est soyé, rien comme chiffre bon côté gouvernement qui tout simplement annoncé, il a décrété état d'urgence et décrété également couvre-feu depuis hier dimanche 3 mars là à partir 8h dans Asroi, et lundi donc jeudi an l'a pas commencé à partir 6h dans Asroi pour arriver 5h dans matin et jusqu'à mercredi 6 mars cap vini là. Et c'est Premier ministre Ayan Patrick Boisvert qui lui-même t'est sorti note ça. N'a pas venu avec l'autre information sur de l'autre commune côté situation pas bon du tout pour les communes. Quoi des bouquets côté presque toute institution l'État yo à genoux, hein, tribunal de paix a boulé, bandi examio saccagé, Soge Bank yo saccagé, Unibank BNC qui nan commune Quoi des bouquets qui était déjà sous contrôle à bandi yo, et ben nous essayer faire yon exercice là avec quantité cadavres qui éparpillés à travers commune Port-au-Prince, puisque nous avons déjà annoncé pour commune Tabac, et malgré résistance force l'audio pour empêcher bandits prend base Bimna à commissariat Tabac, mais ça pas empêché gagner une dizaine cadavres yo constaté hier. Et dans commune Port-au-Prince là, des comptes ont monté, t'a gagné presque une trentaine monde que rejoignent mourir dans diverses zones, où il y a deux cadavres dans rue Romain, Yon dans zone Bois Vernat, avenue N prolongée, te gen 3, devant stade Sylvio 14, te gen 8, rue de la Réunion 4, rue Camo 3, rue Charéron ak rue de l'Enterrement 2, Crissois 2, Nazon te gagné Yon 2 dans Kafou Samida, yon cadavre bon ancien tag market là dans canapé vert 2 dans zone Natcom Pont Morin, vraiment en pile cadavre un peu partout et jusqu'à présent en pile là dans yo toujours dans la rue a dégagé mauvais lode. Nous pral parler avec maître Arnel Rémy dans nos cadeaux qui lui-même t'a fourni des chiffres hein, par rapport à évasion qui fait pénitencier national là. N'a pral regarder si nous oui et maître Arnel Rémy là. Hein? Ah, nous perdons du contact avec maître Arnel Rémy, que nous, on t'apprend à garder si nous avons plus de détails avec lui, puisque l'autorité, l'État, yo pas disponible, et yo pas fourni aucun chiffre tout pour t'a permettre, citoyens, yo ont idée de gravité, ça qui est passé, hein. Yo plutôt à faire dilatoire. N'a pas essayé, de préférence parler avec maître Arnel Rémy qui lui-même c'est responsable cadeau hein une organisation qui défend droit monde qui est là qui moi et qui est là qui est là. OK, bon regardez avec numéro ça pour nous si nous t'a arrivé établir contact avec maître Arnel Rémy. Et puis, ce qui a trait à un prisonnier et qui est sauvé, nous t'ai dit déjà, majorité chef bandit qui était dans la pénitentiaire nationale, yo sauvé. Un pile policier qui était impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse Krasirak. Information yo fait quoi Clifford Brandt et Dimitri Erard sauvé. Ancien commissaire gouvernement par de PA, Michel Virgile, lui-même tout sauvé. Nous songez, citoyens, ça, la police t'est arrêté 12 ou 13 juillet 2022
sous l'ordre DCPJ dans cadre d'enquête pour trafic d'armes et munitions. Et parmi prisonniers qui étaient décidés, ils ont même pas sauvé. Nous avons rejoint l'ancien président de la Chambre des députés, Charles-Georges Chancy. Et c'est agent Apenayo qui était venu chercher. Et puis, Menel, dans le DCPJ, côté, il était doré transféré dans un commissariat qui gagnait dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. L'autre personnalité qui était fait choix arrêté dans la prison, nous joignons Félix Joseph Badjo, magistrat Jacques Mellan, Marquis Kessa, avec ancien ministre communication. Limon Toussaint, sans compter plusieurs autres prisonniers qui malades, qui ont même pour une raison ou bien l'autre pas quitté espace prison. Bien, il y a un avocat Mounzaïo Mbraldila qui dit nous que Mounzaïo était tout et n'a parlé là de monde qui est en prison dans le cadre des dossiers l'église épiscopale là parmi les Père France Cole. Ok. Nous apprenons que d'après ça, il y a un avocat qui dit nous que Mounzaïo pas ta. Pendant ce vide. Ok. Et il n'y a pas parlé de monde qui était impliqué dans la mort, mais mon frère Dorval. Jilpik. Oui, c'était plusieurs autres. Jilpik Gellet ou la Guicha. C'était plusieurs autres. Ok. Jilpik Gellet ou la Guicha. Ok. Avant de nous promettre à Nelémy, bon, moi, il annonce ça. Urgent, on a cherché Marie Nadine Jean-Baptiste et de nous trouver le souple. Il était. Vive cabaret. Bandi rentré la caille, il est introuvable, il est cardiaque. C'est ça, on fait nous joindre comme message. Nous, avec Maternel Ribi, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, tout auditeur, auditrice, Radio Caraïbe, Père Monsalou Abzani, Johnny, PDG Patrick nous signale, Père Monsalou tout le pays. Donc, tout en gros, quand on a niveau cadeau, Père Monsalou. Donc, son plaisir pour la première. Où est une organisation qui partage des chiffres hein, par rapport à l'évasion qui fait dans la pénitentiaire nationale? Là, par contre, est-ce qu'on est disponible tout pour la prison civile quoi des bouquets? On a les noms. Qui ça constate, qui ça chiffre? Très bien. Alors, permettez vous dire, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, depuis le cadeau créé, nous avons fait de cheval bataille, nous. Prisonniers, conditions de détention infrahumaines, prisonniers. Et nous commençons la bataille ça depuis 2019 parce que question prisonniers, pas qu'on parle, pas qu'on parle de ça dans le journal. Parce que l'Europe garde des gens qui vont vivre, nous-mêmes nous disons ah, comment vous pouvez défendre le monde, pourquoi ne pas vulgariser ces informations pour attirer l'attention des autorités concernées. Donc, nous commençons à nous parler de surpopulation carcérale là. Et on comprend que le pénitencier national était construit par les Américains. Et il était construit dans les années 1954. Et les Américains ont été construits pour une population carcérale de 1500 personnes. Et à partir de 2015, la population carcérale a bien augmenté. C'est-à-dire jusqu'à 2023-2024, le dernier rapport que le ministère de la Justice met dehors, la population carcérale est à 83%. C'est-à-dire sur chaque 100 prisonniers qui sont dans le pénitentiaire national guerrier, il y a 83 personnes qui ne peuvent pas parler devant le juge. Et l'on regarde des petits tests, c'est le lieu. Promiscuité gagne. Donc ça te attire attention pour nous dire que les conditions ne sont pas bonnes. Et malheureusement, là nous-mêmes n'avons pas parlé dans la radio parce que cadeau. Comme organisation, parler de ça en pile, jusqu'à ce que le protecteur citoyen ait mis la porte de défenseur des prisonniers pour nous dire écoutez, nous n'avons pas qu'à faire justice pour ne pas jeter ton focus sur prisonniers. C'est politique carcérale qui a défini qui sort de justice qui n'a mené. Ces gens, nous mettons prisonniers en détention, qui a dit mais qui mort de justice que nous voulons. Et Guerguier, il y a ça où il est. Les règles minimales du Mandela. Cadeau parle en plus de ça. C'est-à-dire, ça a un rapport à sanitaire, à hygiénique. Là. Est-ce que mon côté là vivant, c'est l'un propre? Est-ce que les respecter standard? Est-ce que la qualité manger qu'un balien est propre? Est-ce que l'eau qu'un balien est propre? Est-ce que j'ai une bonne dose de vin pour boire, etc. Donc, nous sommes toujours à décrire, nous disons, écoutez, t'es venu voir un côté dans le pénitentiaire, l'eau qu'on a bien, c'est l'y a boire. C'est-à-dire, nous, pas de jambes suspendre ce travail-là pour attirer
attention, cadeau pas jamais suspendre camp dans bataille ça pour attirer attention autorité. Bon, des maladies qu'on attend dans prison. Cadeau c'est une organisation qui t'a partagé le chiffre pour dire de telle semaine à telle semaine. Mais combien nous qui victimes de corona, nous qu'à monter sur compte Twitter, nous pour nous garder information ça. Et nous continuer à parler pour nous écouter, monde qui n'est prison, mais qui ça au gagne, mais qui maladie au gagne. D'ailleurs, ou après, pour nous, mais nous t'es tellement touché par conditions de détention, cadeau t'es venu organiser, qui ça avec ça ne dégagne, on s'y mange qu'un dépôt dans le pays, même là, pas tant pis, on fait exemple là, même là, nous connaissons la population tant pis, mais nous pas arriver. Et à atteindre tout le monde, mais ça a montré qu'il y a une volonté pour prendre soin des prisonniers, pour nous dire, ah mon cher, même le monde de prison n'a plus joué en peine. Même comme ça, tout, dans le monde de prison de manière innocente. Mais le fait qu'on est de prison, on n'a plus joué en peine, non? Mais les règles internationales, le droit international, nous, ah mon cher, pour vivre avec dignité. Oui, maternel Rémi, maternel Rémi. Oui. Est-ce que par exemple, les chiffres sérieux, c'est des chiffres que nous parce que nous voulons qu'on arrive là-dedans, ni sous sac passé, oui. Exactement. Est-ce que nous avons des enquêteurs qui étaient allés à la pénitentiaire nationale, qui fait des comptes là? Comment nous arrivons et gagnons une idée de ça qui passait pénitentiaire? On était sur ça qui passait pendant le dernier jour sérieux là pour nous capables d'aller plus vite. Il faut dire que nous, même au niveau cadeau, nous avons des mondes qui étaient parmi les journalistes et parmi les mondes qui étaient dans la prison. Nous avons des mondes qui étaient sur les lieux et nous avons des mondes, tout nous avons des sources qui proches, ils ont qui ont des informations qui partagent avec ça que après. Nous-mêmes, comme avocats, approximativement, nous avons dit avant l'évasion, la population carcérale, c'est 3,696 mondes. Vous avez avant l'évasion, la population carcérale, c'est 3,696 mondes. Vous avez 3,700 si nous voyons comme ça. Eh bien, écoutez, on calcule bien simple. Après que l'enquêteur nous a bien, nous avons un cadeau qui a fait que ce matin, nous sommes sous et sur les lieux, tu dis, ah, monsieur, mais combien vous êtes censé? On va dire bien simple. Lorsque vous tirez 99 dans 3,696 mondes, eh bien, population, monde qui sauve, monde qui est prison, il y a voisiné 3,597 mondes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3,500 prisonniers qui, je dis les lieux, qui sauvent. Donc, non, enquête, dans le recensement qui fait rapidement, avec source, nous avons partagé l'information avec ce qui là tout. Donc, nous avons recensé en près de centaines de monde qui parmi eux, c'est un Colombien et d'autres monde qui nous cité dans la radio là. Et puis, nous dit tout, en termes de monde qui est victime, en termes de prisonniers qui sont morts, nous avons dit, nous avons chiffré ça de manière provisoire parce que nous apprenons tous les autres prisonniers qui sont victimes, les autres prisonniers qui sont attirés. Donc, enquêter nous, les gens qui travaillent avec un niveau cadeau, amener plus enquête approfondie pour un bon chiffre définitif. Mais pour l'instant, on a dit, en termes de chiffres, nous-mêmes, au niveau cadeau, nous gagnons un théorie 159 mondes, on a dit à la rigueur 100 mondes qui étaient dans la prison, soit une population carcérale qui était presque 3,696 avant l'évasion. Hein. Donc, on a si on a fait calculer, mais c'est 3,697 mondes qui est arrivé la durée. Donc, et combien de monde qui, selon des contenus, a mouru comme un prisonnier? Bon, en termes de dernier chiffre que gagné, nous avons une dizaine de monde. Nous avons une dizaine de cadavres qui étaient appelés des prisonniers. Bon, deux monde depuis l'évasion commence à tirer, dans le niveau pissoir, l'équipe Delma, etc. Donc, nous avons un chiffre provisoire qui est 10, dans le nouveau sens, 10 monde, 10 prisonniers qui sont victimes. De parents tout, parce que tu as dit que nous avons un niveau cadeau grand pile parents qui disent que les gens par le monde, etc., ils par le monde par eux, donc qui fait que nous, même dans le niveau cadeau, nous avons pris des chiffres en attendant que, à travers la conférence que nous avons fait, pour nous partager avec les pays, pour nous partager avec la population, chiffres exacts, chiffres définitifs, donc nous-mêmes, nous recensons 3,597 prisonniers sauvés. Presque 99 mounes, nous avons centaines de mounes qui étaient dans des prisons, qui n'ont pas décidé de sauver. Et sauver, pas décidé de sauver un guerrier, c'est pas parce que pas capable, non. Jusqu'à 10h, 11h hier matin, ils n'étaient qu'à sauver. Parce que pas de policiers sur les lieux. Et dans le niveau quoi des bouquets, nous gagnons plus de 1,500 prisonniers sauvés. Et nous gagnons deux policiers qui étaient victimes, deux policiers qui étaient affectés dans la prison, qui étaient victimes, qui ont pris son hôpital. Mais pour l'instant, des contenus, c'est que notre pays international, c'est que 3,500 prisonniers qui sont.
une quantité énorme de monde qui était en contravention avec la loi qui sauvait et parmi eux gagnait de gros criminels. À qui ça nous doit attendre nous dans jour là? Très bien, Guéry. Permettez-moi de faire deux considérations. Ma première considération, et première considération que je vais faire, c'est qui conséquence ça a gagné. Et deuxièmement, permettez-moi de faire une consultation légale, tout parce que si on a fait société, tout va bien parler. Qui ça me rappelle nous? Pas bien que Guéry, parmi les personnes qui ont décidé de la poudre de campagne, ce sont des personnes qui avaient été détenues, bien incarcérées pour des crimes de kidnapping, de viol, et de voies de fait. De trafic d'hommes, etc. C'est des bandits notoires qui, dans la rue. Maintenant, écoutez, ils vont pas rester les bras croisés. Donc, on peut s'attendre, si on a gardé à une hausse de taux de criminalité. Par exemple, il y a notre force de criminels, qui peut-être retourner, qui allait, qui n'a pas de côté. Mais cependant, nous-mêmes, comme avocats, attendons que ces sociétés, ces sécurités, sociétés qui sont fragiles, là, Guéry. Par exemple, ça ne va pas souhaiter. On monte qui a un problème ensemble à voter dans la prison, écoutez, cette personne peut se venger. C'est-à-dire, on monte qui a la vie là, ça dit, bon, écoutez, nous sommes dans la prison, on ne parle pas de nous-mêmes. On ne va pas vivre mal, on ne va pas bien manger. Maintenant, on ne va pas travailler. On fait 5, 6, 7 ans dans la prison, on ne va pas travailler. Mais comment on fait un travail? C'est retourner pour retourner dans la même activité que nous avons fait déjà. Oui? C'est-à-dire, tout ça, c'est ensemble de conséquences que l'évasion a gagné sur la société. C'est une conséquence qui a gagné sur la sécurité de la population. Sur la sécurité, nous, tout. Parce que nous faisons partie de la société. Alors, ça va nous comprendre. Ça, il faut qu'on ait des mesures rapides qui prennent des risques. Écoutez, moi-même, je m'attendais à l'intervention de plusieurs municipalités souvent. Écoutez, le CSPN a sa part de responsabilité. C'est-à-dire, le gouvernement n'a pas de responsabilité. Nous parlons de la sécurité intérieure du pays, monsieur. C'est-à-dire, si effectivement, il y a des rumeurs qui ont circulé, pour qui ça? Nous n'avons pas pris des mesures célères et rapides pour protéger le pays de la nation. Et guerrier, si vous montez sur compte Facebook, moi, comme avocat, vous êtes toujours attiré attention autorité. Malheureusement, nous débrouillons ça passé. Vous êtes toujours parlé de position au pays de la nation. Une prison d'une si grande envergure ne peut se trouver au centre-ville. Non. Il n'y a pas de prison au centre-ville, guerrier. Il y a des prisons dans le côté éloigné parce que les fragilisent le fonctionnement environnement. Et vous comprenez, bon mieux qui prête pour tomber dans la prison. Nous avons toujours dit, mes amis, il faut autorité pour penser à mieux ça. Mais si nous ne pas dire que nous guérison, nous ne pas chercher que nous guérison tout. Mais cependant, nous-mêmes, comme avocats, on s'est donné comme travail d'attirer l'attention des autorités sur ce qui s'est passé. Et l'on a gardé, guerrier, au regard de la loi, au regard de l'article 295 du Code pénal haïtien. Je vous permets de faire ça. Il parlait de deux types d'évasion. Bon évasion, si évasion ça lit caractérisé, alors si résulté, pardon, dans événement naturel, que des tremblements de terre, que des typhons, tsunamis, etc. C'est-à-dire qu'il y a là, l'État fait la claire, il dit, si à quoi finir évader, et que Yota, ouais, que c'est en 12 janvier, en bout de l'autre événement, c'est qu'il y a occasionné, évasion, et pour même aller, ou même des possibilités pour retourner, si la police, lancer appel à l'île, vous retournez. Le comme ça, le abjujo, le cas juge, le cas second peine correctionnelle. C'est une peine qui varie en 1 à 3 ans. Mais si dans le cas contraire, évasion ça, c'est évasion criminelle, c'est évasion qui est bien planifiée, et que malgré la police fait appel, l'immande pour retourner, pas tourner, et il passe une peine criminelle, des fois, on peut prendre prison pour 13 jours. Ça fait nous-mêmes, comme avocats, nous pensons que. Il est extrêmement important pour que des mesures célèbres rapides pour permettre que la paix avec sécurité retourne en d'un pays à guerre. Et de deux, repenser la politique carcérale guerre. Non seulement, vous comprenez bien, monsieur, prison en Haïti, c'est l'enfer sur terre, oui. Nous appelons un autre là. C'est un mouvoir. Parce que ce côté, il y a jeté mon n'y a pas besoin. Écoutez. L'on est dans la prison, fait 10 ans mal vie, 11 ans mal vie, il est frustré. C'est parce que on sentit que par une politique vers nos centres carcéraux pour préserver la dignité, je ne défends pas les Brésiliens, je ne défends quiconque, mais je défends la dignité humaine comme défenseur des droits humains. C'est-à-dire, là, je pense, si on a fait politique, on a fait justice, il faut repenser la politique carcérale, il faut repenser les conditions de détention,
parce que nous pas une prison à part de prison cabaret que nous avons avec l'autre prison que on dit et ce petit bois là c'est une prison standard qui prison bien qui standard l'op garde cellule yo l'op garde espace les briques qui te les tanicio l'op garde dispensaire yo guerrier c'est dit c'est des monde qui t'a vu dans des conditions infrahumaines qui frustrent mais nous mêmes malheureusement nous déplorons par ça et nous demandons autorité concernant autorité compétente autorité judiciaire yo yo prend responsabilité parce que goyé pédamocrate qui penche pour cette population là sécurité nous même en jeu sécurité en pilote nous en jeu sécurité en pilote en jeu sécurité en pilote commissaire en jeu c'est dit là on doit pas jouer on doit prendre à la légère cette évasion parce que parmi nous sauver écoutez il y a des monde qui des frustration qui des dents contre des commissaires des juges etc donc faut sécurité rétablir rapidement pour protéger tout le monde. Donc ça veut dire qu'on a une grosse menace là qui pendait sur tête on serait de monde d'accord de policiers qui probablement oui étaient participés dans des opérations dans arrestation au sein des négazam gagnait juge avocat donc c'est vraiment une grosse menace pour société. Ah oui, le m'a dit ça hier dans l'intervention avec Covington. Nous écoutez, on ne doit pas prendre à la lumière cette évasion massive par minimiser l'eau. Vous avez non seulement nous avons remarqué une hausse du taux de criminalité, mais attention, mon grand dans qui a dit que le commissaire a fait le mal, Jules l'a mal condamné là. Il a eu dent sur cette personne. Il a retourné là pour faire des différences. Attention, il m'a parlé de menace de la sécurité intérieure, la sécurité du peuple haïtien. Moi, je suis tout, avocat, juge, etc. Tout le monde sait en danger là. Parce que par contre, nous sommes tous. C'est-à-dire, nous obligés. Et agir rapide et moi-même moi exhorté comme organisation dans le monde cadeau maintenant les exhorté autorité policière yo prend toutes mesures pour protéger la vie toute autorité judiciaire y compris avocat parce que la évasion ça lui fait de manière spectaculaire bon, malheureusement c'est parce que nous-mêmes tout nous ensemble de autorités qui pas prend des responsabilités qui pas prend des mesures rapides. Oui, mais là, tu as couru sur les guerriers. Attention, il faut dire à monsieur, mais oui, mais mettez une bombe sécurisée, bombe mettez une fois 4 blindés et autour de pénitentiaire. Mais ça va passer drone à voler. Est-ce que, à mon service de renseignement, si tu as brouillé signal qui dit bon, mais il y a une information par les véhicules. Parce que nous parlons d'information en ce qui est à la sécurité. C'est-à-dire là, la police est supposée lever pied. Écoutez, c'est les responsables là pour protéger et servir l'armée tout. Attention, on aura besoin des soldats de l'armée. En attendant que soi-disant la paix a retourné, mais monsieur, vous avez parlé de l'état d'urgence que décrété, mais même parlé de célérité en matière de sécurité. Célérité, nous répétons comme avocat, célérité en matière de sécurité. Parce que vous mal étendu sous cette pile monde là, bon danger, bon épée d'amour que sous cette pile monde, et nous-mêmes comme organisation dans le monde, nous préoccupons au plus haut niveau. Parce que c'est une première conséquence et pas sans ça. D'accord. Anel Rémi n'a pas quitté. Allez, un auditeur qui dit moi, demandez maintenant pour nous combien de prisonniers qui étaient en détention préventive prolongée. Écoutez, 2015, avec le rapport ministre de fait, c'est 70% de la population qui était en détention préventive prolongée. En 2024, la guerrière nous dit, auditeur qui l'a prêté, sous sa. 100 moun ki te nan prison, gen 83 pa jan pare devan jou. C'est-à-dire, gen 83% population carcérale la ki te en détention préventive prolongée. C'est-à-dire, son population carcérale ki te 3696 moun avan évasion, 3697 sauvé. C'est-à-dire, c'est on centaine moun ki retou. Et yo gen tan relocalisé centaine de moun sa. Et jan moun zoulan, centaine de moun sa pa sauvé en guerre, pas parce que pas de les sauver. Parce que pas de policiers jusqu'à présent et malheureusement, la situation était compliquée. Donc tout le monde avait été sauvé la vie, cherché, ou est-ce qu'il y a mis en sécurité. Donc on a la prison vidée de ses prisonniers, c'est dit, ils ont relocalisé dans le monde, mais on a la décision pour prendre en attendant que ils rejoignent les prisonniers qui sont en cavalier, c'est assurer la sécurité, chaque autorité, toute population, parce que moi, je ne pas voulu tenter comme organisation dans le monde. Comment on a ce qu'on a défendu, qu'on a défendu masse là, comme on a victime de kidnapping, etc. Pour pas avoir une augmentation du taux de criminalité et pour pas mettre la vie tout le monde en échec.
D'accord, donc, merci un peu, Maître Arnel. Rémi, il y a plusieurs SOS n'a pas recevoir. C'est de monde qui a pas demandé pour venir lever cadavre qui est dans la zone Bolakayo. C'est cas citoyen qui est dans la zone rue Caroline, c'est dans Christoua, côté gagné deux cadavres depuis deux jours qui dans la zone ça. Donc, habitants ont demandé la mairie pour yo capable vin lever cadavre sa yo. C'est qui est important et parce que nous avons parlé avec Antonal Mortimer qui est co-directeur et exécutif collectif défenseur plus je dis à un monde qui a gagné un monde en prison disons en famille qui a gagné un monde en prison hier je dis à et qui parle ou bien qui soit allé dans base gang ou bien qui dans la nature premier plainte de déposer c'est contre l'État parce que les gens dans la prison elle pas sous contre l'État donc c'est l'État qui doit assurer sécurité donc c'est pas ça pas quitter rien comme objet sous lit il y a capable permettre les tuer tu fait tellement mal dans l'espace là donc je dis à la moi même dans monde dans prison là que on dit m'était dans telle base gang que on dit pas dans telle l'autre base etc ou bien il était pas connait l'évaporer dans la nature, c'est qui permet de dire comme ça. Premier monde m'a pointé du doigt, c'est responsable. Oui. Parce qu'on a une responsabilité dans sa rivière, parce que c'est eux qui doivent prendre toute disposition pour empêcher que bandits attaquent les prisons pour les gens qui sont dans la prison lui-même. L'idée, hein. Oui. Et puis l'autre thème, je me souhaite attirer attention mon nom, mais surtout policiers. Et c'est des monde que l'œil croisé avec qui n'ont pas une pièce d'identité. Non mais yo et yo dit il y a des monde qui mourit là c'est parce que yo pas de pièce d'identité sous yo et dans moment la police croisé à yo donc n'a dit policier là nous non pays côté l'état pas bay moun yo pièce d'identité donc ou gen difficulté pour faire carte d'identification nationale acte de naissance gon paquet monde qui pas gen bagay ça donc on prend temps ça veut dire l'en croisé on monde dans la rue il pas gen pièce va gen pièce arrêtez-le al non commissariat avec cuisine et lit oui, après ça c'est mais c'est pas tuel pas grand rien dit que un monde qui pas gagne pièce dans la rue là même ils sont bandi ou bien ils sont monde qui évadé pas nous dit ça tout guerrier grand face au monde de pièce là tout ou ca déballer oui ou ca déballer sur les amzo oui c'est pas seulement policier yo dit il y a des zones là tu pas tous les reconnu oui on va te faire ça là dans moment pour caler à tout le grand gens monde vient paraître sur la palavre guerrier ou ta capable collaborer au balbo information hein mon mais gens là parce que hier on perd 100 fois ou tomber déballer vous entendez en mettre caoutchouc sur le boulot parce que hier Johnny moi t'es témoin parce que moi t'ai sorti la caille moi puis m'a venir là et puis yo camper machine il y a des pièces et malheureusement il y a quelques filles même j'ai tout été des garçons dans l'espace non alors non machin qui pas gagner des pièces donc face aux policiers comme si était capable de dire à bord là même si tu gagner on gagne pièce pour tu pas gagner à tel point Johnny bon Jean policier abordé bon juste garder et puis juste donner pièce ça mais en vérité me t'a dit me pas gagner pièce parce que c'est façon que tu trembler ou c'est parce que son comportement peut changer bah c'est oui et il est important effectivement pendant gain tous les problèmes ça toutes les marins vont voler ou pas mal par contre femelle il est important et pour gagner on contrôle qui beaucoup plus strict oui. Mais faut que je fasse avec tout ça ça m'a dit comme c'est pas parce que on n'a pas gagné pièce d'identité qui fait son bandit qui fait son évadé ouais qui fait son évadé un paquet de monde qui pas gagné pièce là l'état pas bail ça bon de des côtés dans pays là un petit monde fait il pas gagné possibilité pour identifier Antoine Mortimer déjà en ligne dans lycée co-directeur et collectif défenseur plus avec lui nous prend il s'est gardé sa crivée dans prison civile Port-au-Prince à Croix-des-Bouquets n'oubliez pas de demander à Anel Rémy côté arabe Anel Rémy côté arabe nous connaissons avocat arabe grand pile monde cap mandé pour arabe côté arabe est-ce que arabe fait partie de prisonniers qui pas décidé et sorti yo est-ce que arabe sorti s'il sorti est-ce qu'il la caille qui côté lié est-ce que l'entend et rend tête li les toute bagarre vienne sous contrôle en attendant quittez nous saluer Maître Antonal Mortimer qui est déjà en ligne avec nous bonjour. Bonjour monsieur Ferdinand, bonjour monsieur Guerrier Dessel, bonjour madame Saint-Fleur, bonjour tout le monde qui a écouté radio. La même gens avec nous, est-ce que vous autres au niveau du collectif Défenseur Plus nous en font un travail puisque ça fait plus de 24 heures depuis Negaxam attaqué
prison civile Port-au-Prince là ensemble avec prison civile Croix-des-Bouquets qui ça qui provoquer libération on ensemble de prisonniers pour ne pas dire majorité prisonniers dans prisonniers ça yo gagne des chefs de gang redoutables gros bandits devant Père l'Éternel. Bon, d'abord nous tout on a parlé d'évasion mais maintenant des têtes mais est-ce que c'est mot ça pour nous utiliser ben connaît évasion vous l'avez dit c'est un monde yo kembe on côté yo fait même et yo kembe le défense alors que nan ka moun ki sorti nan pénitentiaire national la Croix des Bouquets pas de défense pas de gagner yo gagne en pile celle qui pas se fermer donc là ça est difficile pour ne pas l'évasion moi même envie dit messieurs qui dans pénitentiaire national yo avec Croix des Bouquets bon barrière ouvri yo une occasion pour sortir en paix avec une femme meilleure, en paix aller dans base et groupe améo, soit à renforcer ou bien dans groupe ça pour être capable de protéger tête yo pour population en palinché ou bien l'aide l'état pour yo pas prendre comme ça. Fond du nous même au niveau défense plus et cette information nous gagne c'est pas samedi soir yo attaqué prison. Yo attaqué prison depuis jeudi soir. Il a attaqué le jeudi soir, il a attaqué le vendredi, et samedi, c'était match final, là. Et même gens nous-mêmes, nous t'ai informé, nous t'ai vérifié avec certaines informations, certaines autorités, s'il y a une information. Ça. Et, autorités, nous t'ai informé. Et, commissaire gouvernement Port-au-Prince, lui-même, tout semble te faire appel, bah, plusieurs autorités dans la police, là, et dans le gouvernement, pour demander un renfort pour, prison. Bon. Jean, maître Misso Dili, m'a besoin de retourner sous chiffre. C'est le bagage nous-mêmes, nous connaissons. Il y a environ 3920 à 25 monde dans la prison jusqu'à samedi soir. Et donc, ça t'a dit, pour moi-même, chiffre en plus. Il y a environ 2000 monde qui sortent dans le coin des bouquets. Donc, ça t'a dit qu'il puisse passer 5000 monde. En pile là-dedans, c'est des monde qui ont détention préventive prolongée. Mais en pile là-dedans, tout, c'est des présumés. Et chef des gangs ou bien bandits qui est très dangereux pour la population, qui est impliqué dans vol, viol, assassinat, kidnapping, trafic d'armes, et boule caille, touiller policier, incendier bien l'État, craser machine l'État ou bien caille l'État. Donc son bagage qui est très difficile et même au niveau défenseur, plus bon, moi-même, comme monde qui a défendu droit monde. Il y a plus passé 25 ans, pas jamais bagaille ça. Pas jamais côté près de 3000 monde, 3500 monde, 5000 monde sortis ensemble dans la prison sous base l'État et pas capable, ou bien sous base l'État facilité yo sorti, soit le besoin créé en situation pour justifier présence militaire africaine, latino-américaine. Caraïbéen ou bien des êtres en situation chaotique pour ne pas revendiquer des droits fondamentaux et liberté publique, et bien la créons tension de un climat de terreur dans le pays. Moi-même, l'autre information que j'ai, c'est que l'agent pénal était là, il a même tout pour diable, il a demandé un pile renfort. Ils vont côté, semblait pas capable ou bien munitions, ils ont fini, ils ont déplacé. Ils ont déplacé. Ils ont engagé, utilisé dans la police là. Ils ont désengagé les lieux. Ça veut dire qu'ils ont quitté l'espace vide pour sauver vie par eux. Et ça n'a pas bien sorti. Alors, avant de parler des agents pénales, on va parler des plutôt 4 chacs et des 20 prisons hein, qui ont sécurisé extérieur prison. Hein, ils ont déplacé. Parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont peut-être probablement des démissions. Ou bien ils n'ont pas gagné de renfort. Yo, ouais, ça qui s'est passé la veille, parce que ça qui passait la veille qui coûtait la vie, 6 policiers, c'était un signe qui montrait qu'il pourrait gagner des événements dans le pays. Hein. Et ça a déjà créé une psychose de peur qu'aient certains policiers qui ont même moralio très bas. Et l'entendait de notre direction générale là, de mettre dehors, ça va être rassurant du tout pour les policiers qui en pension. Et jusqu'où n'y a d'ailleurs, font mieux par un cadavre pour faire finir. Donc, les policiers étaient déjà un moral très bas et ils n'ont pas fait un renfort. Ils ont quitté devant la pénitentiaire nationale. Et quand il y a un policier à peine qui était à l'intérieur de la prison,
conseil qui est là-dedans, c'est des prisonniers qui sauvent. Ouais. Et qui sortent, qui attendent un coup prisonnier pour être capable de sauver pour eux. Et ils ont la caillou. D'ailleurs, on voit dans l'image, et certains journalistes et diffusés, on voit qu'il y a des uniformes de la police à terre, et qu'il y a des portes policiers à terre. Ce monde, ça, c'est pas mourir ou mourir, c'est monde qui joigne des stratégies pour y'a quitté. Donc, ça me t'a dit encore. Maintenant, Timé, oui? Font-y souffrir avec nous, Solina. Il fait 8 heures. Caraïbe FM, n'a pas marqué pose drapeau. Et là, nous retournons, nous va ensemble de l'autre élément, surtout, il y a des seuls gains. Il y a une question, l'État a remis posée, qui a aidé l'auditoire là en pile. Garde à vous. Baptiste Sillé, relais Famillan, dans 31 89 03 43, 31 89 03 43, ou bien 39 25 39 25 45 37, 39 25 45 37, ces numéros non capables de joindre famille Marie Nadine Jean-Baptiste qui est introuvable. Li a vive cabaret et bandit est rentré la Kaili. Nous connaissons un bandit qui mettait du feu dans un commissariat cabaret hier. On nous retourne pour parler avec Antonal Mortimer, défenseur plus. Antonal Mointé, après le Mando, là, c'est pas première fois prison a cassé, prisonnier a sauvé. Et vous saute rappeler là, c'est première fois quantité prisonnier ça a eu sauvé en même temps. Mais mon Vimando, à chaque fois gagné de Kassayo qui arrivait, réaction. La police nationale d'Haïti montrait que pas gagné vraiment organisation qui en dans prison ou bien pour détenu yo. Parce que on dit là depuis hier là, l'État a supposé gagné photo moun qui sauvé yo, gagné identité yo et lancé des alertes. Et me songe te gagné prison quoi de Bouquea qui était gagné évasion là-dedans pas jamais on côté si on va le chercher qu'on va le joindre photo identité l'âge toute information sur monde qui sauvé yo pas qu'on est nous-mêmes comme organisation qui a travaillé dans domaine là nous gagne information comme ça que la police les gagne évasion yo gagne capacité pour que yo afficher non monde identité yo qui évade yo. Malheureusement non, la police pas capable d'afficher photo tout le monde près de 5000 monde qui est yo. Ils ont système carcéral là. Et ça fait plus de 10 ans et gagné un groupe défenseur droit monde dans plusieurs organisations qui font plaidoyer pour yo informatiser et système carcéral là. Malheureusement ça va jamais faire. Ouais, t'es une tentative qui fait pénitentiaire nationale. Pour mettre des ordinateurs, pour entrer, des données. Mais Antonal Batimé, combien de milliards de dollars ça m'a demandé, selon vous? Non, c'est pas moi qui m'a demandé un pilcob. Ça m'a demandé un dispositif ou bien une disposition administrative pour ça faire. C'est quelques ordinateurs et puis il y a des techniciens informatiques qui mettaient divers centres carcérales dans le pays en réseau et puis entrer des données régulièrement. Chaque lègue, il y a des gens qui étaient détenus. Les passer de détenu à condamné, mettez-les dans un autre lot, mettez des informations. Il y a une possibilité pour faire ça. Tu as une tentative, ça a commencé à marcher très bien, et avec un projet, et un barrière de fonds, c'est soutenu, mais ce n'est pas l'État qui met des fonds pour ça. Et comme ce n'est pas l'État qui met des fonds pour ça, tu as un projet à finir, et puis tout le monde est complet. Mais, quand on voit de me faire considération, même, on t'a pas gardé pour les gens, ils ont organisé. En diverses sections, par continent. Et puis, après ça, il y a des subdivisions par des halles. Mais tout à l'heure, il y a des cellules qui étaient ouvertes. Quand c'est l'île, il y aurait les bateaux. Et des cellules, ça a ouvert, c'est quand il y a un pile de monde. Et des cellules, ça a ouvert, les gens ont ouvert, l'autre cellule. Pour moi-même, il y a une volonté de côté gouvernement pour quitter les gens partis. Parce que au moins, tu es capable de faire des réactions. Après 3 jours d'attaque sous prison, écoutez, monsieur Genzam, il a annoncé ça publiquement, ou bien,
soit voyez, ou bien vous même vous avez décidé d'informer pour l'attaquer. Le gouvernement pas fait rien. Mais le gouvernement, je dis, c'est le premier responsable.